Merci à toutes, très contente de vous retrouver à nouveau. Et de suite, nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel. On y va? Il est très important d'apprendre à faire ses retouches. Prenons l'exemple de ce pantalon. Sur cette partie, souvent, pour les gens qui ont les cuisses qui se frottent, et à force de marcher et de travailler, la matière, malheureusement, s'abîme. Je vais mettre un papier blanc à l'intérieur afin de vous montrer exactement le problème. Donc, vous pouvez constater que ça s'est bien usé, ça s'est effiloché et dans certaines parties, il manque totalement de la matière. Donc, la première chose à faire est de mesurer la longueur de la déchirure et vous allez rajouter 6 cm. Quant à la largeur, vous allez faire la même chose, mesurer la partie la plus large et vous allez rajouter 4 cm. Dans vos chutes de tissu, vous allez prendre un morceau de la même couleur, bien sûr, et de la même matière, ou du moins d'une matière qui se rapproche le plus. Par rapport aux mesures qu'il faut ici, c'est celle-ci que vous allez reporter sur ce morceau et couper. De préférence, surfiler ou surjeter tout le morceau, tout autour. Prenez un morceau de carton ou un morceau de lino, qu'importe. Mettez-le à l'intérieur. Prenez le morceau que vous avez préparé et le positionnez à l'intérieur aussi. Cette fois, le tissu, il doit venir contre le pantalon. Vous allez le glisser facilement puisque vous avez le carton ou le lino à l'intérieur. Et l'excédent que nous avions mis, les centimètres en plus, vont venir après la déchirure. Vous devez sentir le tissu qui dépasse. Donc moi je le sens ici, ici, je l'ai ici et bien sûr ici. C'est-à-dire la pièce elle est positionnée d'une façon à dépasser la déchirure. Épinglez tout autour. Vous allez vous demander pourquoi j'ai mis le lino ou le carton. Tout simplement, en épinglant, je ne vais pas prendre la partie en dessous. Contrôlez bien. Une fois que vous êtes satisfait de la position de la pièce, vous pouvez cette fois retirer le carton ou le lino. Retournez le pantalon sur l'envers. Donc vous allez vous retrouver ainsi et piquez d'abord tout autour de la pièce. Levez le pied presseur et engagez le pantalon. Mettez bien à plat. Cette pièce doit être vraiment à plat et piquez. Et n'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin. Remettre le pied du pantalon sur l'endroit. Remettez à nouveau votre carton. Cette fois-ci, on va couper et c'est pour ça que j'ai mis le lino pour ne pas couper le pantalon qui est en dessous. Alors, on est parti. Vous coupez toute cette partie. Coupez d'une façon que ce soit propre afin d'enlever la matière abîmée. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai enlevé toute la matière qui ne servait à rien, qui était très abîmée. Une fois bien épinglé et que vous êtes satisfait de votre travail, vous allez venir et passer un point de zigzag tout autour de la pièce. Passez le point de zigzag une fois et refaites une deuxième fois. Donc réglez votre point de zigzag, n'oubliez pas. Donc, suivant votre machine, vous verrez le numéro qui correspond. Pour ma part, je vais choisir le numéro 3. Bien sûr, regardez la notice de votre machine. Pour ma part, je vais appuyer sur ce bouton et vous allez voir apparaître le chiffre 3.
3 qui correspond à mon point de zigzag que j'ai choisi. Donc on s'applique et on pique. Surtout, assurez-vous que vous n'avez pas de plis et que vous avez bien mis votre pantalon à plat. Et vous continuez. Donc, nous avons fait le premier tour et maintenant, on va faire le deuxième. Donc, voici la retouche à l'envers. Donc, comme vous pouvez le constater, une fois piqué ici, point de zigzag, vous avez bien le nombre de centimètres que je vous ai demandé de laisser, ce qu'on appelle l'excédent. Et ça, c'est important. Il ne faut jamais couper trop juste. Et sur l'endroit, ça vous donnera ce résultat. Vous allez vous poser la question pourquoi je vous ai demandé de passer deux fois le zigzag. C'est tout simplement pour pouvoir bien renforcer cette pièce. La pièce qu'on a rajoutée va donner une seconde vie au pantalon. Il est vrai que ce pantalon est très beau et en plus, c'est une très belle matière. Donc, il aurait été dommage de le jeter. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors, partagez-le. Voilà, c'est la fin déjà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.